jour, vers midi, du côté du Parmenceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son par-dessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents.